Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de la carte mère X570 Phantom Gaming X d'Azeroth. Une carte mère résolument haut de gamme proposée à presque 400 euros et qui est à destination des AMD Ryzen 2000 et Ryzen 3000. Une carte mère qui n'oublie absolument rien au niveau des équipements. Vous allez voir, il y a pléthore de choses et on a également une bonne dose de RGB. On vous propose de la découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On retrouve une énorme boîte avec les mentions PG pour Phantom Gaming. On a également la marque, la référence X570 Phantom Gaming X. Et on a les logos HDMI, AMD, AMD Ryzen et AMD X570. Bien sûr, avec le Polychrome Sync pour le RGB. On découvre maintenant le bundle avec les notices d'utilisation, le DVD avec les pilotes et les utilitaires, toute la visserie à destination DSSD M2 NVMe. On va également avoir ici 4 câbles SATA. Ici, on va retrouver l'antenne et les borniers pour le Wi-Fi. Ici, on va retrouver un pont NVLink. Et enfin, on a un petit tournevis pour pouvoir installer plus facilement les SSD M2. Place à cette Phantom Gaming en X570, on retrouve le look Phantom Gaming avec le PCB noir mat, les dissipateurs gris anthracite et les parties en acier noir avec quelques lignes rouges. Au niveau du socket AM4, sachez qu'il va être alimenté par 14 phases d'alimentation, mais aussi par une prise 8 pins CPU et une prise 4 pins CPU. On va retrouver à droite 4 ports DDR4, 128Go maximum, 32Go par barrette en 4666 MHz. On va avoir le 24 broches ATX, l'USB 3.1, l'USB type C et ici 8 connecteurs SATA. Juste devant les 8 connecteurs SATA, on va retrouver le radiateur avec ventilateur actif qui va s'occuper de refroidir le chipset X570. Le chipset X570, mais aussi le processeur, vont distribuer en PCI Express 4.0 du 16X sur un port ici, du 4X ici, du 4X ici. Si vous utilisez deux cartes graphiques, on sera en 8X, 8X. Si vous utilisez trois cartes graphiques, on sera en 8X, 8X et 4X. Sachez aussi qu'on a deux ports M2 ici et là. Dans la partie basse, on va retrouver tous les connecteurs pour les USB, le Power On, le Reset. On va également avoir un Reset BIOS, un bouton Power On autre, un bouton Reset autre, c'est-à-dire que vous aurez ceux branchés sur votre boîtier, mais vous pourrez aussi utiliser ceux qui sont présents sur la carte mère. On va avoir également le postcode. Enfin, dans cette partie ici, on va retrouver tout ce qui est partie audio qui sera isolé du reste de la carte mère. À l'arrière de la carte mère, c'est presque aussi chouette que devant, puisqu'on va avoir ici ce grand renfort métallique tout autour du socket AM4. On retrouve les codes couleurs Phantom Gaming X. On a également ici des parties en plexiglas qui sont dépolies à destination du RGB. On découvre les différents ports qui sont placés à l'arrière de la carte mère avec tout d'abord le bouton pour flasher le BIOS. Ensuite, on va avoir les deux borniers à destination de l'antenne pour le Wi-Fi 6 en base Intel. On va avoir un PS2, deux USB classiques, un Clear CMOS, un HDMI, un Ethernet 2,5G, un Ethernet 1000 à côté. On va avoir 5 USB 3.2, un USB type C lui aussi en 3.2. Enfin, on a la partie audio en 7.1 avec sortie optique. On est sur une base Realtek 1220 et on a tout ce qu'il faut au niveau du DAC, mais aussi de l'ampli pour les casques audio. Et on a également des condensateurs Ninchicon. On en termine de cette présentation de la X570 Phantom Gaming X par Azeroth avec la carte mère allumée et le système RGB. On vous a mis au passage un petit kit DDR qui s'accorde très bien avec cette carte mère puisqu'on a la partie en aluminium ici comme au-dessus du chipset et la partie noire ici. On est bien sûr sur des Triton Z par G-Skill et vous voyez de base le RGB fonctionne très très bien avec le RGB de la carte mère. Au niveau du RGB de la carte mère, on va retrouver trois zones. À l'arrière, ici, derrière le ventilateur de CPU avec le logo Azeroth et le Phantom Gaming X qui s'illumine. Ici, on va voir le Fast, Mysterious et Unbeatable qui s'éclaire avec le logo
Phantom Gaming. On va voir ici le petit ventilateur qui fait toujours un petit peu de bruit quand il est actif. Enfin, on va avoir à l'avant ici deux bandes de LED qui vont permettre d'éclairer sous la carte mère. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news et tous nos tests à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.